Puisqu'elle fait des œuvres d'art avec des boîtes de conserve. Bonjour Lorraine. Bonjour. Effectivement, on fait des œuvres d'art, ma foi, avec des boîtes de conserve. Oui, c'était surtout au début, en 1980, hein, on a commencé, moi et mon mari, à bricoler avec des boîtes de conserve. Mais au fur et à mesure, selon la demande, là, à un moment donné, on a manqué de boîtes de conserve. Et vous, des enfants, hein? On a un, oui. On ne peut pas toujours manger des trucs en boîte de conserve. Montrez-nous donc ce que vous avez fait avec les boîtes de conserve. Avec la boîte de conserve, comme ça, ici, ça, c'était des couvercles. Des couvercles de la boîte de conserve, différentes grandeurs de couvercles qu'on superposait. Puis, on les rivait à l'arrière. On découpait les feuilles dans les boîtes de conserve aussi. Puis après ça, c'est peint à l'acrylique. Vous vous êtes coupé combien de fois dans votre carrière depuis 1980? Au début, surtout. Maintenant, on met des gants pour se protéger. Au tout début, je me coupais. Puis quand on enseignait, là, je donnais des cours, puis là, on se coupait énormément. Des fois, c'était trop coupé, on rentrait plus dans les gants. Parce que vous donniez des cours? Oui, j'ai donné des cours au Canal 9, là, à la télévision, là, durant 2 ans. Mm-hmm. On donnait des cours privés aussi sur la technique de boîte de conserve. Est-ce que c'est l'espèce de soleil, là? Ça, c'est pour montrer, c'est un modèle, là, au tout début, au départ, c'est un gros galon, mm-hmm. Puis c'est tout mesuré, avec un galon à mesurer, tout divisé pour que ça arrive à des chiffres pairs. Puis là, selon notre imagination, et on dessine, on tresse, comme on travaille la tôle, on la fait... Tout simplement. Ouais, on peut la friser, la tresser, la boucler, on peut la souder ici aux intersections. Et on perce un trou, on fait une horloge, où on place un miroir, une photo. Puis plus tard, parce que vous parlez de vos débuts, mais plus tard, vous avez laissé les boîtes de conserve pour vous en aller dans la conserve elle-même, dans la tôle. Oui. Au début, j'ai publié aussi un petit livre pour l'enseigner aux gens, parce qu'il n'y avait pas de technique spéciale dans ça. C'est une technique que j'ai développée. Et avec le petit livre, les gens peuvent créer à l'infini les choses qu'ils veulent. Mm-hmm. Quand on mange, oui. Dans son esprit, les outils. Bon. Hein? C'est vrai, vous donnez toutes les techniques. Oui. Bon. Vous avez un magnifique arbre qu'on voit à l'écran. Ça, j'imagine que c'est pas avec des boîtes de conserve. Mais ça fait à peu près un an qu'on le fait maintenant avec la tourneuse. Au tout début, là, j'en ai fait peut-être quasiment 150 à 200 là, avec des boîtes de conserve. C'est joli, il y a des noms dessus, c'est pour... C'est comme un arbre généalogique. Ah, ça a de l'allure. On écrit le nom des parents dans le bas, les enfants, les petits-enfants. Comme dans le haut, il y en a une qui n'est pas encore écrit. Là, pour rajouter le nom, on avait laissé le... Il est à venir, je pense. Mais là, il est né, il faut écrire le nom. Maintenant. Et puis, dis-moi, la peinture que vous utilisez là-dessus, c'est une peinture spéciale? Oui. Une peinture en métal? On appelle ça l'acrylique, là, sur métal. C'est de la peinture en spray, les petits bonbons là, de canette, pour les retouches d'automobile. Là, on applique une base au début, un attrait. Puis là, il y a 5 couches de peinture différentes, puis il y a un vernis, soit un vernis lustré ou un vernis satiné. C'est dépendant de la teinte qu'on veut... si on veut avoir un fini très, très lustré ou finiment. Et puis, ce qu'on voit à l'écran, c'est une toile d'araignée splendide, ouais. Que ça ferait une belle décoration, entre autres, au-dessus d'un foyer. Oui, ça s'accroche aussi dans un coin, là, sur un coin du mur, ça fait bien. Faut vraiment le faire, hein, Lorraine? Vous faites aussi des genres parchemins, ouais. Avec des messages, la femme partage les peines, double les joies. Et triple les dépenses. Oui, oui. Ça fait plaisir aux gens, mais. Ouais. Vous peignez des paysages. C'est ça. Vous faites même des horloges. Oui. Un champignon. C'est joli comme tout. Vous avez des champignons. C'est appareillé avec. Et puis, est-ce qu'on achète ça chez vous si jamais on est intéressé, comme on peut l'apprendre chez vous? C'est ça. On a une boutique à Place Rebournet. D'accord. Ça s'appelle la Boiserie Lorraine. La boîterie, Lorraine. Ben, merci beaucoup, Lorraine. On peut donner le livre aussi. J'ai encore 200 livres à donner aux clients qui vont me demander. Merci. Un beau cadeau de Noël. Merci, Lorraine. Au revoir. Au revoir.